Je me rendis à Saint-Denis. Introduit dans une des chambres qui précédait celle du roi, je ne trouvais personne. Je m'assis dans un coin et j'attendis. Tout à coup, une porte s'ouvre. Entre silencieusement le vice appuyé sur le bras du crime. Monsieur de Talleyrand soutenu par Monsieur Fouché. La vision infernale passe lentement devant moi, pénètre dans le cabinet du roi et disparaît. Fouché venait jurer foi et hommage à son seigneur. Le féal régicide, à genoux, mit les mains qui firent tomber la tête de Louis XVI entre les mains du frère du roi martyr. L'évêque apostat fut caution du serment. Chateaubriand. Mémoire d'outre-tombe. Le 7 juillet 1815, vers 11 heures du soir.